Attends, il y a un dilemme incroyable qui a été posé. Je peux te le poser pendant que tu cherches l'objet. Oui. Alors, t'es en soirée chez un pote, tu vas aux chiottes, et là, tu vois une énorme trace de sur les chiottes, tu vois, même sur la cuvette. Hein. T'es dans les toilettes, c'est fermé. Sauf que derrière la porte, il y a ta crush. Il y a vraiment la meuf que tu voulais faire. Ouais. Est-ce que tu nettoies toute la pipe avant de sortir pour pas qu'elle croie que c'est toi? Je dirais oui. Parce que si tu sors et que tu dis alors c'est plein de mais c'est pas moi, c'est suspect. Tu parais forcément louche. Ah, vraiment, au collège j'avais fait ça. J'étais rentré dans les toilettes et j'étais malade, clairement j'étais malade. Il aurait mieux fallu que j'aille pas à l'école ce jour-là. J'ai tout déglingué, c'était atroce. Je transpirais, je sors des toilettes et il y avait évidemment plein de gens au lavabo, etc. Et dès que je sors, je fais qui c'est qui a... C'est atroce. Et tout le monde était en train de faire ah mon dieu, l'odeur. Et moi quand j'ai des caisses, et bah c'est passé. Bien joué. Plus c'est gros, on m'aurait certainement passe. Appelé pendant 3 ans monsieur caca. Si j'avais pas fait ce bluff là, 79% des gens nettoient le caca qui n'est pas à eux. Nice. The Backroom 98 est un jeu d'horreur. Ah. Franchement, je ne vois pas qui dans le monde est assez rapide. Même les concours, les concours de lecture rapide auraient échoué. c'est impossible. Oh, il y a un autre jumpscare mode. Oh, bah c'est mignon. Oh, ça c'est pour qui? Ça c'est pour les nullos. Ah, on a perdu quelqu'un déjà. Gerceval qui nous dit bon bail pour moi. Alors. Et ça y est, les petits vont au dodo, ils vont se coucher. Allez hop hop hop, on s'enfuit. Mais on ne vous en voudra pas, hein. C'est comme ça. Je ne change rien, je laisse comme ça. Et on se lance la cassette des backrooms de 98. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est des VHS, c'est un truc qui était là avant que vous soyez nés. C'est noir, c'est rectangulaire, c'est comme un DVD. Il y avait deux petits trous crantés et on pouvait les tourner, ça faisait tourner une bande. Il fallait les rembobiner d'ailleurs. Pour rembobiner, tout à fait. Ah. Après, dans les VHS, il n'y avait pas forcément des gros bruits de paix comme ça. Nice one, Drake. Oh yeah, Drake. Damn, dang. Eh, hey, je pensais à ça. Oh, Drake. Damn. Wow. Damn. Oh, il est tout même dans une backroom. Attends, c'est un skate qui est tombé rapidement. Il est rapidement. Vraiment tombé dans une backroom. Attends, du plafond, il y avait un truc qui est tombé. Mais c'est un mec, c'est un skateboard, un PNG qui est tombé au sol. Oh oui. Bah oui, voilà, il est là. Oh non, je suis tombé dans la backroom. Comment tu fais pour tomber dans la backroom? Bah, je sais pas. Apparemment, faut faire un 360 ollie sur un quarter pipe et tu tombes dans une backroom. Attends. Ah, des angles morts, ça c'est terrifiant. Wow. Allô? Allô? T'as dit hello? Il a dit hello, c'est bizarre, non? Ah, quand je pète, il pète pas. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe en angle droit, c'est pratique. Pour l'instant, rien d'effrayant. Bah, t'as quand même fait un 360, t'es tombé là-dedans, donc un peu. Oui, j'aimerais pas que ça m'arrive. Ah! 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 Ça, c'est dégoûtant. Ah putain, tout à l'heure, j'étais en train de faire le tri dans mon garage. Parce que le garage à caca, donc du coup, je dois faire le tri entre ce que je garde, ce que je jette, ce qui a été détruit par le caca et le pipi. Ouais. Et à un moment donné, putain, je soulève le carton Lego avec le faucon minimum qui était déjà pas en bon état de base. Hein. Mais je me dis, bon, et je vois qu'il est vraiment affaissé. Genre, on va dire que les un tiers, il est affaissé, tu vois. Ouais. Et je me dis, bon, au moins l'intérieur doit être safe. Mais en le portant, j'ai vu que sous le carton et au sol, grouillait, ça grouillait de mini-insectes de partout, pas des cafards, des trucs tout petits blancs, ça grouillait partout, ils étaient là, je baignais dans la merde depuis des semaines. Oh non. Il y a une colonie qui s'est formée. Ah, ça m'arrive tout le temps chez moi, ouais, c'est les larves de caca, j'en ai partout. Ah, c'est horrible, mec. Ah, dès que je suis par terre au sol, toutes les semaines, ils sont là, c'est trop chiant. C'est trop chiant, tu peux pas chier par terre tranquille sans qu'il y ait des petits vers qui se mettent, c'est trop chiant. Et est-ce que, moi j'avais juste une question avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'il y a quelque chose qui était légèrement plein de caca, mais qui était quand même important et tu t'es dit, écoute, c'est rien qu'un peu de caca, je vais le garder? Non, en fait j'ai jamais vu de caca explicitement pour l'instant. D'accord. J'ai jamais vu de crotte. Ouais. Parce qu'en fait je crois que je pourrais pas avoir de crotte. Du jus parce de caca. Que cette fois-ci c'est que du jus. La plaque était vraiment fixée, ce qui pouvait couler c'était que du jus. T'imagines que là il y a les monstres des backrooms qui sont en train d'entendre un mec qui dit et à propos du caca dans ta cave. Je me suis fait des nouveaux amis, son nom c'était Lee ou Liam, je ne me rappelle pas. Je suis en train de jouer dans sa maison mais il fait froid ici dans la cave. Je me demande quand il me laissera repartir à la maison. Creepy. C'est pas en fait son nom, c'était Liar. Ah, c'était subtil. Qui est le gros cochon qui a pas débarrassé ses assiettes? Ah, les... Ah. J'entends des bruits, c'est chez moi ou c'est... Ouais, c'est... Non, c'est... Il y a des bruits un peu bizarres des fois. Oui, c'est quand tu tournes la caméra, ça souffle. C'est bien en plus ce bruit constant là, énervant pour mes acouphènes. Ça m'énerve. Ah. J'ai pas peur des backrooms, c'est juste. Ah ouais, j'ai la vache, j'ai eu peur. Peur des rats. J'ai peur des rats, voilà. C'est une peur que j'ai depuis tout petit. J'ai absolument pas peur des backrooms. En fait, vous savez quoi? J'aimerais dormir dans une backroom, voilà. Anyone around? Montrez-vous! Je ferme la porte pour pas que le jeu la ferme à ma place et que j'ai peur. J'ai cru voir un truc, mais je pense que c'était une hallucination. J'ai cru voir la silhouette de quelqu'un. Je n'ai pas envie de parler. Oh, moi je peux, parce qu'il y a aucune incidence. Je crois que je ne peux. Attention, parce que les consonnes. tu sais, les consonnes qui font. Les consonnes à base de peu.
Comme je bois mon thé. Comme je suis décontracté. Arrête de dire hello. Parce que tout à l'heure quand t'as dit hello, il a dit hello. Imagine un jeu où tu dis et le mec répète quasiment en même temps que toi tout ce que tu dis avec sa voix. Beat. Tu viens d'invoquer en disant beat. Le monstre, ou alors c'est comme un Google Home. C'est le mot pour l'activer. Ah non, on est en 98. Ça m'énerve, y'a rien qui fait peur, du coup j'ai peur. D'accord. Oh, c'est absolument terrifiant. Les yeux noirs sur un enfant. Très gênant parce que là il est né comme ça en fait. Ah. Tu te moques du handicap de l'enfant. Pardon, je suis désolé. Ah, il a remis la radio. Est-ce que c'est toi l'enfant qui a plus d'œil et que c'est juste un handicap et qu'il faut pas s'en moquer? Oh, ça commence à être... C'est un sexe? Oh, ah non, c'est un cordon ombilical. C'est un cordon ombilical qui bande. Ah oui, par contre, c'est un sexe. Attends, c'est pas un vrai bébé. Avec un cordon ombilical. Ouais, par contre, c'est bizarre. Ils font des poupées de plus en plus réalistes. Hein. Incroyable. Vous êtes un mannequin? C'est un mannequin. C'est bon, c'est forcément un... C'est un mannequin. Je vais revenir et vous ne serez plus là. Vous êtes toujours là. Attention, attention, Twitch, c'est un mannequin, Twitch. He's okay. Oh, Twitch, ça, c'est vraiment des gros nibards de mannequins, ça. Et un gros ça, cul de mannequin. C'est vraiment légal. Matez-moi tous ces nichons de mannequins en plastoc, Twitch, franchement. Ça, c'est on ne peut plus légal, Twitch. Je vais bientôt mourir, non? Oh, mais comment avoir peur de nibards? C'est pas de la peur que vous me faites, là. Qui a peur, franchement? Ah. Bah, tu vois, j'aime moins. En fait, y'a rien de terrifiant, c'est juste que les bras sont un peu longs, c'est tout. Oui, bah oui, y'a que ça, oui, finalement. En tout cas, pour l'instant, le jeu est un véritable banger, hein. Bah, arrête. J'ai eu un peu peur, je vais avouer, là, je vais pas mentir. Le bon a été fait. Très clairement, alors, il manque la dame. C'est un peu abusé de la lancer si fort, donc ça, oui, ça fait peur. Oui, ça... Il manque la dame au grand bras. Oui, elle était là. Elle n'est pas derrière moi, donc elle doit être certainement après, quelque part ici. Donc, pas de problème. Oh putain. Je retire tout ce que j'ai dit sur les backrooms, ça fait peur. Oh le fils de pute, il a pas de tête, il a pas de tête. Ah, je me sens mal, j'ai envie de courir très vite. La ferme. Il y a un truc là. Oui, il y a un truc là. Qui est là? Ah, il est parti. Comment on se cache? Attends, parce que là je suis là. Ok, c'est bon, je suis caché. D'accord. Eh bien, c'est bon à savoir. Moi, je fais ce que j'ai appris. T'avais pas besoin de se cacher, je pense. Oui, c'est pas toi qui est dans la backroom. Le petit gamin, là, il est juste en train de me faire des blagues. C'est pas agréable. Bon, on est bientôt rendu à la porte. Du coup, pas de problème. Je suis bientôt tiré d'affaire. La voilà, la vilaine porte. Je veux faire l'amour. Ta mère, voilà. J'ai pas envie de l'ouvrir. Ouais, est-ce que c'est derrière que ça a tapé? C'est moi le screamer. Ah. C'est un dessin, c'est un dessin, c'est un dessin. Je peux faire des dessins moi aussi. I miss you. Don't make a sound. I can hear but no eyes. Il est aveugle. Donc là si tu parles, le petit gosse sans yeux, parce qu'il a une thrombose, c'est la maladie, va te courir après pour te croquer. Donc tu peux pas trop parler. Il a pas d'yeux. Comment tu veux qu'il dise ton message? Ok. Oh putain, la barre en rouge quand t'as parlé pour dire ok, elle était énorme. Oh, elle essaye de passer. On dirait que t'évites de parler pour pas attirer de gamin. Non, c'est juste que j'ai rien à dire. Ah, d'accord, ça a pas de rapport. Ah, tu peux te cacher sous la table. C'est une excellente cachette, hein. C'est vraiment une excellente cachette. Vas-y, parle, t'as des couilles. Y'a personne, ça n'existe que dans les vidéos sur les backrooms. En fait, y'a rien, c'est juste des bureaux. Il doit y avoir un genre de double fond derrière l'un des murs parce que elle a pas pu s'échapper. Hein. Pourquoi tu parles pas? Tu t'es enroué la voix? J'ai un chat dans la gorge. Ah d'accord, non, ça tombe mal. Alors je sais pas ce que c'était, mais c'était pas le petit gosse. Hein. C'est une porte. C'est fermé. Arrête de chuchoter. Oh putain, le mec il reste avant tout un skater, tu sais. Backroom, pas backroom, on est un peu un voyou. Oh, il était locataire, il va te niquer. Drake, Liam, ah. Anyone? Ta gueule. Mais là c'est pas une porte genre. Pas un Judas. Et quoi, là il va se transformer? Voilà, normalement tu peux avoir à travers. Ah bah non, là t'as mis le cas Judas. Ah oui, c'est vrai, mince. T'as vraiment peur d'un jeu sur les backrooms? Non, pas du tout. Bon, ça suffit ces conneries. J'ai l'impression qu'on me prend pour un con là. Quel jeu de merde, ça fait pas peur du tout. Y'a rien. Ouais, même lui il le dit là. C'est bon là. Regarde, j'appuie sur espace, j'ai pas peur. C'est toi qui a fait ça? Oui. Ah, c'est pas un gosse qui crie, c'est toi qui siffle? Porte. Alors. Oh, alors ça. Wow. Ça c'est méta. Putain. This can't be real. Damn, Drake. You got just 360 and shot. Ah, t'as bien niqué le papier peint là. Évaluation moyenne. Franchement. Ça compte pour du beurre. C'est juste un screamer. I need to get out of here right now. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. But why? Oh putain, t'es en train de réveiller le malin. Bon, il est où le malin là? Il est là le malin? Je vais dessiner des faux yeux sur ses lunettes, il pourra les mettre et faire croire qu'il a des yeux. Et voilà, et ça va peut-être changer toute sa vie à ce monsieur. Oh gamin, il va pas nous faire chier maintenant. Beaucoup de bruit là dans mes oreilles. Ah, c'est pas les lunettes qu'il voulait. Cache-toi dans un de tes tiroirs. Là, la carte. Il va me trouver forcément. Je sais quoi, elle est là, je sais quoi, elle est là. Ta gueule. Allez, backroom, prends ça. Mais je l'ai vu. T'es obligé de chuchoter, hein. Pour l'instant, rien n'a prouvé que quand tu parlais, il y avait quelque chose. Parce que, en plus, c'est logique. Regarde, le gars qui joue au jeu, bah, il désactive son micro, et puis voilà. Ah, alors, qui est le plus con?
Non, tu veux quand même pas parler ? T'as quand même peur des conséquences ? Un peu. C'est vraiment le micro léger. Non mais je pense que tu parles à un certain nombre de décibels, ça tape pas dans le rouge. Ouais, faut y aller vraiment très doucement. Fais comme si t'étais chez le dentiste et quand il te met l'appareil qui t'écarte la bouche, tes lèvres peuvent pas se toucher. T'as pas le jeu Machmo ? J'ai retrouvé la trace de... Ah, c'est un cadavre. No... Eh, c'est l'espagnol ? Ah, no escape. Just kill yourself. Ok. Attends, y'avait la K-code. 473. Oh putain, le bruit de le bordel que fait la caméra. Oh, la... C'est pas juste. Oh, le flip que j'ai eu. C'est pas possible de faire un boucan pareil. Et où y'en a qui dorment ? Vous avez vu l'heure ? C'est de copropriété ici. Essaye d'être discret. Oh, ah, mais ça s'occupait. Are you feeling your sanity? C'est quoi sanity? Les sanitaires. Santé. Est-ce que tu sens les toilettes? Baisse-toi, mais baisse-toi! Mais j'essaye! Baisse-toi! J'essaye! Oh, please stop! C'est bugué de ouf! Parle si t'as des couilles. J'ai des couilles. Oh mon dieu. Tu peux me rappeler où c'était la grille? Ah, je m'en souviens pas du tout. Attends, viens, on l'appelle. Espace. Espèce de soupe de merde. Faut être très très mince. Voilà, tu vois, est-ce que je me suis enquillé comme assiette tout à l'heure, je passe pas. Ah, j'ai un peut-être. Putain. Ah, tout ce que je peux te dire, c'est de suivre les flèches. Il y avait une flèche. Bah là, non, mais les flèches t'indiquaient la sortie. D'accord, merci. Merci beaucoup. Oh, allez, une flèche. Ouais, mais c'est mince. Regardez, regarde le code. C'est un 3 à la fin, mais on a eu. C'était pas 473 en fait, le code? Si, on a eu le code complet. Il y a le code. 473. Écris-le, peut-être. Bah, c'est bon, là. Ah merde. Les abrutis. On était trop en avance sur notre temps. Bah, faut ouvrir maintenant. Ah, c'est des... Putain, les colis bonbons, c'était trop bon, ça, tu te souviens? Oui, plutôt délicieux. J'adorais croquer cette merde. Contrairement au couille du mammouth qui était juste chiant, ça, c'était vraiment sympa. Comment ça, vente interdite en Europe? Eh oui, le jeu est tellement terrifiant qu'il a été interdit en Europe. Eh oui, il continue son mensonge. On a réussi à se le procurer sur le Darknet. Eh ouais. Tu comprends maintenant pourquoi il a été interdit de vendre en Europe? C'est terrifiant. Il paraît que le développeur de ce jeu s'est donné la mort juste après la publication du jeu. Il arrive. Ça fait 10 fois que tu dis ça, il arrive pas. Tu veux qu'il arrive? Fils de... Lui ou moi? Non, toi. Je te vois. J'ai fait peur au chat, mission accomplie. Je retourne à la grille. Ça, c'est vraiment ambiance backroom. Là, ça sent bien la backroom, là. C'est très backroom. Oh, what the fuck, une piscine en plein milieu du 16ème étage. Il arrive. Mais il craint l'eau. Yes, une safe room. Ici, on peut gueuler tout ce qu'on veut. Pourquoi tu fais un test comme ça? Faut être malade. Et il fait encore jour dehors à 22h. Non, mais ça, c'est ce que j'appelle la belle vie. Ça fait quoi si tu siffles dans le casier? Je peux pas. Ouais, ils ont empêché ce truc-là. J'ai plus de souffle. Après, vu le bruit que ça fait, on dirait plutôt que t'as un genre de sifflet anti-viol. Mais je pense qu'il y a un objet ici, non? Faut qu'on sache où il y a des objets. C'est quoi ça? Oula. C'est quelqu'un qui joue avec une balle. Quelqu'un qui joue avec mes couilles. Il sait pas ouvrir les portes, le monstre, donc c'était safe. C'est comme les zombies. Il peut ouvrir les portes. Oui, bah j'avais remarqué. Parce que c'est comme dans Slender, plus tu trouves des pages, plus il est agressif. J'en ai ras le cul. Ah, alors là, au cas où, Momo qui nous dit « Belek, tu as le micro activé, il peut t'entendre. » Ah bon? Ouais, parce que je vois que ça fait plus de 43 minutes que tu es en train de parler à voix haute de ouf et que tu gueules dans tous les sens. Voilà, je te préviens. Momo, il a repéré qu'il y avait le micro d'activé. Donc fais bien gaffe. Je l'ai déjà vu ce live, ils l'ont remis, grrr. Et puis l'un joue mal, Terra devrait reprendre le contrôle de la chaîne, grrr. Le chien, grrr. Non, je vais fermer ma porte parce que on s'est plaint de mes cris. Mais, ah pardon. Ah non, c'est pas le moment de faire ça. Je prends le contrôle. Je l'ai sauvé. Les gens. Je t'ai sauvé la vie. Oh putain. Ne refais plus jamais ça, t'es un malade. T'as dit je vais aller fermer la porte. Il est arrivé en courant. Normal, j'ai posé mon casque. Lol. Mais toi, t'as vraiment trop peur des backrooms, c'est chiant. On peut rien faire avec toi, t'as toujours peur. Parce que j'étais trop détendu devant mon PC, je m'attendais pas à devoir prendre le contrôle. Il a fait un backflip pour se retirer de sa position allongée, les pieds sur le bureau. Mais oui, il le sait, hein. Mais j'avais vraiment les deux pieds posés sur le bureau, les deux mains sur le bidou et croisés. Gros trauma. Si avec ça vous avez pas peur des backrooms, qui osera faire du skate après cette expérience terrifiante? La porte grillagée, c'est la clé. La porte fromagée. Quoi? C'était pas ça, il fallait une pince coupante. Bah tu l'as pas regardé en même temps, on l'aurait su sinon. Oh, on va pas commencer à se faire des reproches. T'as bien tapé dans le rouge quand tu parlais, hein. Si on commence à se retourner les uns contre les autres, Non mais ça commence à devenir insupportable après. On est déjà allé ici en plus. Enfin, autant parler normalement, hein, parce que là... Non, après il va nous entendre. C'est fort. Qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver derrière? Narnia? Une pince coupante, abruti. Les gars ils s'engueulent à voix basse. Un chien. Ouais, il est trop mignon. C'est le chien du développeur, on en a rien à foutre de tes trucs de merde. Ouais, il raconte trop de ta vie, toi. J'ai pas le temps. Il a des petites sandales.
Oh, ça glisse. C'est le sang qui glisse par terre. Gars, il a vomi. Oh. Si là, je sors maintenant, c'est chiant. Faudrait pas que j'appuie sur E maintenant, quoi. Commence pas. Écoute, si j'avais pas le contrôle de ton PC, on serait mort tout à l'heure. Ah, une deuxième, une giclée. Oh, une deuxième. Oh, faut lui dire un safe word pour qu'il arrête. Hein. Essaye de pas faire de bruit, parce que bon, nous la tire à chaque fois, là. Ça fait trop peur, les horloges, au fait. Au fait, le gars, il revient. Putain, au fait, ça fait vraiment flipper. Hein, c'est un truc de ouf, à quel point. Enfin, c'est terrifiant, quoi. Ah, mais l'ambiance est effrayante. Toi aussi, quand t'étais petit, t'as déjà, avec une pince coupante, ouvert une pile en deux et t'as bu le jus à l'intérieur de la pile. Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, tu coupes une pile en deux et tu bois le jus de la pile quand t'es petit. En pensant que t'aurais des super pouvoirs et que tu serais du coup Electric Man. Ta gueule, ferme ta gueule. T'as jamais voulu devenir Electric Man? Arrête! J'ai des problèmes d'intestin maintenant! J'ai des problèmes! Arrête de parler! T'es pas mort une fois, hein? Pourtant, t'as essayé, salaud. Non, je t'ai sauvé. Par contre, t'aurais dû mourir directement. Mais moins de bruit. Oh putain de merde! T'es déménageur breton. Attends, c'est le moment d'essayer un truc. Ça marche ou pas? Oui, regarde, il arrive. Est-ce que la résonance a fonctionné? Oui, oui, ça marche. Ok, cool, parce que je sais pas quel effet ça donne, moi. Ah, il dégueule à cause de moi. Il vient pas te voir, il a pas d'yeux si tu fais pas de bruit. C'est ça que t'as zappé? C'est vrai. L'idéal, ce serait que t'aies des rollers. Il a une bonne audition, par contre. J'ai à peine parlé, putain. Non mais les gars, je vais pas appuyer sur eux. Enfin, à moins que vous me donniez une énorme somme d'argent là tout de suite, je vous donne mon compte Lydia. Peut-être 200 euros, je commence à réfléchir à savoir si j'appuie sur eux. Mais là, comme ça... Tout ce qu'on veut, nous, c'est gagner et sortir de jeu. Putain, cette pièce-là, je retourne pas, elle fait trop flipper. Mais t'as pas de pied de biche derrière ça, hein? Allez, qui c'est qui ferme sa grande gueule de merde? Tu crois que tu bloques la route, là? Oui. C'est vrai que ça a un peu bloqué sa route. Il est très con. C'est quoi que c'est ça? C'est ma copine qui essayait de me faire peur et j'ai appuyé sur la barre d'espace. Tout le monde est contre moi, si je comprends bien. Tout le monde est là pour me faire chier. Attends, t'as appuyé sur la barre d'espace parce que t'as eu peur? Un petit peu. On va te mettre dans la confidence. Je lui ai demandé si elle pouvait te faire peur. C'est vrai ou pas, sale fils de pute? Pourquoi t'as prolongé le pute? Tu l'as soufflé? Sale fils de pute. Putain, la copine pas s'appeler là. En tout cas, honnêtement, j'ai pas eu si peur que ça pour ce qu'elle a fait. J'ai même pas crié. Donc votre plan de merde est nul. Il est nul, sale fils de pute. Et en plus, elle m'a éteint la lumière. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Alors... c'est quand même abusé, putain. Attends, t'avais la lumière allumée? Bah oui. Mais t'es une merde, moi je suis dans le noir là. Arrête. J'ai le noir complet, y'a que la lumière de mes écrans. Mais j'y crois pas. Il avait la lumière plein phare chez lui. Ça se voit que c'est pas toi dans les backrooms. J'aimerais bien t'y voir, toi, dans les backrooms. J'ai envie de péter. On va voir si ça la tire. Il arrive. Bah oui, vu le truc, on a un petit canard. Il arrive. Aidez-moi. Quelqu'un qui a dit la bonne mousse. Ça ressemble vraiment qu'à des morceaux. Ouh. Dis-toi que sur les plus de 10 000, il y en a au moins un qui se branle. Ça fait relativiser. Ouais. Et sur toutes les années de live qu'on a fait, il y a forcément un mec qui est mort quand il regardait notre live. Putain, arrête, c'est flippant. Oh, injecte à toi? Non, je suis en pleine forme. Bah non, t'es à 79. Au début, je pensais que c'était ma peinture. Un peu con, le mec. De toute façon, je n'ai pas peur puisque je ne parle pas anglais. Je n'ai rien compris, en fait. Tu suis pas les flèches? Non, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. Bah oui, parce que c'est là qu'il y a les indices. Putain, j'aurais dû suivre les flèches. Il n'en reste que deux. C'est quoi les deux derniers? Un jouet et un portrait de famille. Le chien, ça marchait pas? J'ai dit le jouet et le portrait de famille. Bah oui, le portrait de famille, le chien, ça marchait pas. Quel chien? C'est sympa la photo avec le chien. Ah si. Mais alors, si les portes métalliques ne donnent pas accès à de nouveaux objets, où est-ce qu'ils sont? J'y comprends plus rien. Je tourne en rond. Vous savez où on peut trouver le reste? Ouais, s'il vous plaît, là. C'est pas qu'on se fait chier, mais bon. J'ai essayé de t'appeler sur ton portable en privé pour te faire peur, mais ça a pas marché. Je sais, mais j'ai rien dit parce que j'ai cru que c'était un stalker. C'est exactement ce que je me suis dit que t'allais te dire. Je suis prudent. Je me suis dit, il va pas le dire à voix haute, sinon ça confirmerait que c'est son numéro. N'appelez surtout pas Link au 06 18 75 41 42 54. T'as pas dit trop de chiffres? Non, j'ai dit pile poil ce qu'il fallait. Tu sais ce que c'est l'enfer des backrooms? C'est que t'auras jamais les derniers objets parce qu'ils n'existent pas. Oh, ça c'est terrifiant quand même. Ah, t'as quand même fait vachement d'endroits quand on y pense. Mais ouais. Bah tu cours parce que t'en as plus rien à foutre, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi il n'anime pas le live? T'as un problème toi? L'embrouille à voix basse. Bah vas-y, viens, ferme le tour en face, on va voir qui après. Un quart d'heure mon cul, on va trouver comme ça, c'est pas possible. C'est sûr qu'on va trouver. Ah, ça te frustre hein? Oui. Tu veux pas t'arrêter parce que tu te dirais que t'as fait tout ça pour rien si tu t'amènes. Je veux pas. Savoir. Tu veux savoir quoi, le secret des backrooms? Oui. Donc c'est ça qu'on propose aux gens sur la chaîne Wankill. On s'emmerde, on s'emmerde, c'est horrible, quel horrible jeu. L'enfer des backrooms. C'est un chier, putain. Bah c'était grandiose. Si après ça, continuez à dire que les backrooms c'est stylé, vous en colle une. C'était génial. Quel play, quel play. Vous voyez, c'est ça les backrooms, c'est ça l'expérience backroom. C'est du vent, c'est nul. Ah, c'est le défaut de pas mal de trucs, c'est ça tire en longueur. Hein. Ah, ça tire, ça tire, ça tire, mais... ma gueule, c'est nul.